Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier live. Ah voilà, j'allais dire dans ce live où il n'y a pas de d'image. Mais non, ça va, ça. Laissez-moi juste faire ça. Attention, transformer. Hop, magnifique. Bienvenue dans cette première heure pour découvrir, où je vais tester des jeux que je ne connais pas pendant une heure et je déciderai par après si je veux envie de les faire en live ou pas. Ces jeux ont été choisis par 4 personnes qui ont laissé un commentaire sur la vidéo de la chaîne secondaire sur laquelle j'ai posté. Et donc je vais commencer ici par Pokémon Donjon Mystère équipe de secours rouge. Je testerai ici Mario Kart Super Circuit, Castlevania Aria of Sorrow et Fire Emblem 7. Mais il s'appelle juste Fire Emblem en Europe. Donc je vais déjà commencer et puis je vais avoir l'occasion de parler de mon expérience avec la série Donjon Mystère. Et qui va très vite, hein, je vous rassure. Donc commençons l'entretien. Donc ça, je savais que je vais je vais me faire sonder pour savoir quel Pokémon je vais être, je le sais. Je sais que ça marche comme ça. Quelqu'un dit que vous êtes bizarre mais drôle, vous le sentez comment? C'est bien, je le prends bien. Est-ce que vous remerciez quelqu'un avec sincérité quand vous vous sentez reconnaissant? Bah oui, je suis quand même pas un connard à ce point-là. Est-ce que vous trouvez parfois soporifique? Est-ce que vous trouvez parfois soporifique et exagérément prudent? Oui, ça arrive. Ce sont les vacances d'été, où aimerez-vous aller? Chez moi. Donc je vais répondre qu'importe. Les extraterrestres nous envahissent, que faites-vous? J'attends pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il vous arrive parfois de ne plus rien avoir à faire tout d'un coup? Oui, je suppose. Avez-vous déjà construit un piège? Ok, d'accord. Est-ce que c'est Pokémon Donjon Mystère ou est le FBI là? Non. Quand vous allez vous coucher le soir, comment laissez-vous la lumière éteinte? J'ai pas 10 ans. Ah ah, garçon, fille. Je vais répondre comme je suis. Voilà. Je ne vais pas incarner un personnage, je vais garder les réponses comme ma personne. Et donc, suspense, je suis de type calme. C'est pas un type, c'est une nature. Tu comprends rien, hein. Je donne de bons conseils à mes amis qui ont des problèmes. Alors, des conseils, oui, bons conseils, je n'irai pas jusque-là. Vous n'aimez pas vous battre, ça c'est vrai. Vous êtes une personne douce, à bon cœur et que soucie des gens. C'est ce que je leur fais croire. Vous devez avoir beaucoup d'amis qui vous admirent. Non. pas beaucoup en tout cas. Cependant, vous êtes parfois un peu candide. Candide ou l'optimisme. Métaphysico, théologo, cosmologo, nigologie. Ainsi que tête en l'air. Et même un peu bohème. Non, non, ça c'est Laurie par contre. Un peu bohème, quitte à faire des folies. Vous devriez garder ces défauts à l'esprit pour les éviter. Génial, dis-moi quel Pokémon je suis. Magnifique. Génial, ok, j'approuve. Merci, merci jeu. Laisse-moi prendre Bulbizarre comme partenaire et on est bon. Merci, allez, c'est bon. Quel sera le nom de mon partenaire? Mais qu'est-ce que j'en sais? Je l'ai pas encore rencontré. Tiens, voilà. Hop, je vais faire dans l'originalité. Hop, hop. Voilà. Un peu de nostalgie. Il est temps de vous envoyer dans le monde des Pokémon. Ouais! Plonge! Le plongeon! Où suis-je? Dans le monde des Pokémon, on vient de te le dire. Est-ce que je rêve? Il y a une légère brise, c'est agréable. J'entends une voix. Qui est-ce? Alors, comme le concept l'indique, une heure pour découvrir, ça veut dire que je vais jouer pendant une heure. Ce qui veut dire que j'ai jusqu'à 20 heures, moi, de mon point de vue, pour le faire. Et je viens de remarquer une chose de assez énervante. C'est que j'ai centré le truc, mais je n'ai pas pris en compte le fait qu'il y avait probablement un chatbox, une chatbox quelque part. Donc, si quelqu'un utilise le chat, on ne sait jamais, ça n'ira pas.
Donc, hop, je vais remettre comme ça le truc ainsi. Faudrait que je trouve quoi mettre pour combler, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai assez d'un, déréveille-toi. Je suis un gobou et mon partenaire est un bulle bizarre. Je pense que la première fois que j'ai fait Donjon Mystère et que j'avais testé Donjon Mystère sur DS, c'était Explorateur du Temps. Je pense que j'étais un bulle bizarre et mon partenaire était un gobou. Donc, il doit avoir quelque chose de lié entre ces deux Pokémon. Genre, Bulbizarre étant mon starter de base préféré, et Gobou étant... Et Lagron étant mon starter évolué à fond préféré. Donc voilà. Ouais, je me réveille enfin. Où suis-je? Oh non, je suis devenu un administrateur de Nuzlocke France. Et tu étais à terre sans connaissance. Ouais, je sais, c'est moi qui t'ai donné ton nom il y a 2 minutes. Je suis... Ah! Depuis quand on donne le nom à nos amis avant de nous donner de s'appeler? Ah, tu ressembles à un gobou à tout point de vue. Oui, mais ne dévoile pas mes rêves comme ça. C'est vrai, je suis un gobou. Eh ben oui. Je ne me rappelle de rien. Tu es un peu étrange. Mon nom? Ah! Alors, on va aller full marathon. Et je vais pas mettre Sam. Je vais mettre le nom que j'avais de mon Lagron du marathon. Hein. Je veux dire, j'ai pas fait une chaîne YouTube pendant 7 ans et demi à faire des runs Pokémon pour que ce soit pas réutilisable après, ok? Alors oui, c'est moche comme nom, hein, je suis d'accord, mais il faut en vouloir au mois de 2013, voilà. S'il vous plaît, à l'aide! Alors oui, donc je parlais que j'avais un peu essayé Donjon Mystère il y a très très longtemps. C'était donc j'avais encore Bulbizarre et Gobou. Je sais qu'il y avait un Bulbizarre, je sais plus si c'était moi, c'était mon partenaire, mais il y avait un Bulbizarre dans le tas, c'est sûr. Et je me souviens que j'étais mort au premier donjon, que je comprenais rien et que j'ai arrêté d'y jouer. Voilà. C'est horrible, mon chenipan est tombé dans une grotte. Tu as des ailes. Une énorme fissure s'est tombée dans le sol et mon chenipan est tombé dedans. Il est un type insecte qui résiste au type sol, qui se démerde. Il est trop jeune pour en sortir tout seul. Ben c'est pas grave, va au bois, à la forêt de Jade. Tu pourras en trouver un pour l'échanger. Des Pokémon m'ont attaqué. Oh, c'est une dame, Papillusion. Par d'autres Pokémon. Peut-être qu'ils sont en colère à cause de la fissure. Oui, mais non, mais si, non, mais je... si ils en ont rien à foutre que ton enfant est au fond de la fissure, ce sont des connards. Donc voilà. Bon, encore une fois, tu as des ailes, par contre, mais bon. Ce qui n'est pas le cas de Gobou ou Bulbizarre. Hein. Petit bois, étage moins 1. Oh là là. Progressez vers votre objectif en attaquant les ennemis avec A. Ok, jusque-là, ça va. Protégez aussi votre partenaire. Non. Il a qu'à se démerder. Oh, ok. Ah oui, d'accord, j'allais dire, je pensais qu'on allait plus vite, mais quand je reste appuyé sur B, ça va... Ça go to go fast. C'est genre, soit c'est lent... Soit c'est go to go fast. Ah ah, il utilise rugissement. Ah bon d'accord, merci, tu viens de défoncer un Roucool. Ah non, il y en a d'autres. Dégage. Dégage. Du coup, j'appuie sur A pour attaquer, mais c'est quand même tour par tour. Il attaque avant. Que se passe-t-il? Ah, il est pas mort. Boum, t'as raté charge. Bien fait. Ça a 95% de précision dans... À cette époque-là dans les jeux, mais à mon avis, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais... Alors, ça, j'appuie sur Start, ça me met des cases, génial. J'appuie sur Select, et je suis dans le noir. Ok. Est-ce qu'il y a un menu qui existe? Donc là, j'appuie sur R, ça fait des petits triangles. Et j'appuie sur L, ça fait rien. J'appuie sur B. Ah ah, le menu, c'est B. Évidemment, tout à fait. C'est logique. Donc, 24 PV... J'ai 24 PV sur 30, nous aurons toujours 30, ok, j'ai 0 Poké en argent, jouer 7 minutes 41, déjà Estomac 93 sur 100, génial. Moi je veux voir ce que tu me dis. Alors, capacité, charge, info, inflige dégâts à la cible, portée ennemie devant type normal, ok. Et rugissement, baisse le niveau d'attaque de tous les ennemis se trouvant dans la salle. Ah oui, ok. Nice, pourquoi il y a une étoile? Oh, il a 21 sur 22. Pourquoi il... Ah oui, c'est 22 PP, c'est marrant ça. Bon, du coup, j'ai pas besoin d'infos, je les ai déjà, mais je ne sais pas pourquoi il y a une étoile. Ah, ça,
Il y a une étoile autour de moi, c'est moi. Alors, si je fais mon résumé. Niveau 5, ok, on commence au niveau 5, ça c'est classique. Point d'expérience, PV, attaque-défense, attaque spéciale, défense spéciale. Ok, donc ça a quand même des attaques spéciales et défense spéciale. Est-ce que le truc de type utilise les mêmes que la 3G, genre type O, c'est toujours spécial et tout ça. Statut normal, caractéristique type O, torrent, ok, donc il y a des capacités spéciales. Ah oui, c'est vrai, même que genre, j'avais lu que les Pokémon qui ont deux capacités spéciales possibles, ils ont les deux en même temps, et du coup, Archéomir, il a Inifuge et Lévitation. Augmente la puissance des capacités O quand les PV sont bas, ok, oui. Zone d'accueil, marée roseau, génial. Pokémon poisson boue, oui, ça je savais. Ça c'est Pokémon graine. Tactique, suivre le meneur. Eh oui, c'est moi le meneur. Engrais, plan de poison, Pokémon graine, recrutement, petit bois, génial. Pleine de beauté. C'est parce que Bulbizarre c'est le plus bas. C'est pour, évidemment, c'est Otarlet, la plus belle. Pourquoi la plus belle, je ne sais pas. J'ai décidé que c'était Otarlet la plus belle. Et que c'était une fille. Simple conditionnement de genre. C'est Fabulous Mermaid. Le surnom de Oratoria, c'est Fabulous Mermaid. Peu importe que ce soit un mâle ou une femelle, c'est quand même Fabulous Mermaid. Bon, après avoir décimé la famille de Roukoul qui ne demandait rien de plus que de dire bonjour, je peux passer au l'étage suivant. Qui a mis des escaliers dans un bois ? Petit bois. Les ennemis ne bougent pas tant que vous restez immobile. Ouvrez le menu avec B et réfléchissez avant d'agir. Ah ah ! Donc ce n'est pas un action RPG ! Zut alors ! Moi qui voulais tant d'action, 100% action, même la météo, comme dans Mes parrains sont magiques. Ok, donc là ils ont été tellement effrayés de mon meurtre de la famille Roukoul que plus personne ne veut s'opposer à moi. Ok, d'accord. Chouette, ça sert à rien. C'est un cul de ça. Ah ! Roukoul ! Tu m'as attaqué en traître ! Traître ! Oh, un tournegrin. Oh, tournegrin, tu t'es fait défoncer ! C'est presque comme si t'étais le pire Pokémon. Et c'est le Pokémon avec le plus bas total de bastades dans la série principale jusqu'en 7G. Où c'est... Waouh, tu montes de niveau. Plus 3, bien. Bon, attaque plus 2, défense plus 2. Attaque spéciale plus 2, défense spéciale plus 2. Comment dire, les stats ne montent pas de la même façon que dans la série principale. Parce que avoir un niveau 5 avec plus 3 et plus 2, plus 3 et puis plus 2 partout, waouh. Il faut qu'il ait déjà pas mal de V, hein. Mais il fait 20 dégâts, mais il défonce, comment il fait pour défoncer aussi fort les... d'attaque spéciale pour... Ok. Non, pas capacité, résumé du coup. 12 d'attaque, 11... Non, c'était 10, 10, 10, 10, 12, 11, 12, 10, ok. Ah oui, je peux lui parler, j'ai vu. Capacité, non. Équipe. Lui, parler. Faisons de notre mieux. Ouais. Oh, un tournegrin qui dort. Et si on l'agressait? J'aurais dû me positionner pour que Nuzor puisse l'attaquer. Yeah, je monte niveau 6, j'apprends coup de boue, c'est génial, je vais pouvoir commencer à jouer sur la précision et être un vrai salaud. Donc, je suppose que coup de boue, ça fait la même chose, mais je vais quand même vérifier. Inflige des dégâts à la cible, baisse aussi le niveau de précision de la cible. Ennemi devant, coupe-angle. Coupe-angle, non, coupe-ongle, je connais, mais coupe-angle, non. Ah, un chenipote. 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 Merde, il est pas resté, sinon j'aurais pu faire un troisième chenipote. Bon. D'accord, mais là, il y a plus que tomber dans un ravin. Là, il est tombé tous les escaliers possibles et imaginables, le chenipan. J'ai une Béoran. La Béoran me redonne des PV, c'est génial. Ah oui, du coup, il n'y a pas de potion vu qu'il n'y a pas d'humain. Enfin, je dis y a pas d'humain, mais là, Nuzor, il l'a dit, tu es un humain, mais non, t'as l'air d'un gobou.
en pan, il s'est pas demandé ce que c'était un humain, donc ça veut dire qu'ils existent quand même. Mm-hmm. Le lore est-il important dans Donjon Mystère? Je ne sais pas. Un nœud neuf, oula! J'imagine les gens qui n'avaient joué que à Ruby Sapphire Emerald, mais ils font « Mais quels sont tous ces Pokémon ?» C'est pas grave, endors-toi, allez, salut! Oh non, il est resté. Oh, la gauche ou la droite, ça revient même. Ce n'était pas une opinion politique, hein. C'était juste la façon dont les couloirs sont agencés. Je précise quand même, on ne sait jamais. Bon, c'est bien, mais il est où mon escalier là? Ouais, Shiny Pot, c'est génial. Mais dégage, Shiny Pot! Au sol. Autre. Option dans. Ok. Non, mais il y en a combien des Shiny Pot par ici? L'attaque Shiny Pot baisse un peu, bah, tant mieux pour lui. Ouais, niveau 7. Pourquoi il a plus. Pourquoi il apprend des trucs plus vite que. Ouais, monte de niveau, c'est bien. Plus 2 partout, c'est bien aussi. Vampigraine, ça fait. Ça... Oh, non, non, ah, faut arrêter que faut... j'arrête d'appuyer sur Selex. Je suppose que Vampigraine. Ah, et si, je vais désactiver. Bien sûr que tu fais Vampigraine. Je veux juste des infos. Inflige le statut Vampigraine, PV de la cible sont peu abandonnés. C'est la même chose. Ah bah, il est là l'escalier. Ah, Chenipan, je t'ai trouvé. Ouais. C'est ce coup, c'est ces fissures. C'est Groudon le méchant. Donc en fait, c'est pas le, le personnage principal, c'est le sidekick là. Hein. C'est lui qui fait les gros bras, mais c'est l'autre qui parle. Un acte héroïque. Ouais, t'as sauvé un chenipan. On est quand même au bas de l'échelle là. Hein. Genre quand ta récompense c'est une Béoran, une baie pêcha, une baie fraise, bon, je pense qu'on a vu mieux quoi. Là, c'est mieux que rien, et tu as sauvé la vie d'un chenipan, c'est génial. Il allait peut-être se faire agresser par des chenipotes quoi. Bon, par les roucoules, là, ça aurait pu. Mais attention, il y avait des tournegrins des chenipotes aussi. Et des neufs. Tu devrais venir avec moi. Genre, l'hospitalité dans ce monde, c'est merveilleux, c'est là qu'on voit que c'est pas du tout la Terre. Eh bien, j'espère que. Je me demande si c'est un salamèche, est-ce qu'il vit là-dedans, parce qu'il tombe dans son étang, il est mort. Je ne sais pas pourquoi je me sens bien. Parce que t'as échappé au monde réel et t'es un gobou dans un monde de Pokémon. Genre, moi je me sentirais assez bien quand même. Waouh, la boîte aux lettres! Mais comment tu fais quand t'as pas de pattes, hein, ou pas de main, ou que tu peux pas utiliser. T'as pas de pouce surtout. Genre, tu fais comment pour ouvrir l'enveloppe? Parce que si tu la déchires, tu risques de... Une équipe de secours. Bah oui, c'est dans le titre du jeu. J'accepte, je refuse. Game over. Bleh. Il y a des jeux comme ça qui font un game over... genre, réel, genre. Le nom de mon équipe... Ouais, voilà. C'était soit ça, soit Palma Face. L'équipe Kappa. Mon dieu, ces sprites de face qui sont contents ne me montraient plus jamais ça. C'est genre, c'est bien essayé Game Boy Advance, mais non. Pas pour cette fois. Et c'est ainsi que Sump et Nuzor commencèrent leur carrière de secouriste. Et créèrent ensemble leur équipe de secours. Ils ont passé leur brevet secouriste? Waouh, c'est l'écran titre! Après 19 minutes. Waouh! Impressionnant! Comme dirait le narrateur de Smash Bros. Et nous sommes équipe de secours rouge, parce qu'il y avait équipe de secours bleu, mais ça c'est un jeu DS. Le lendemain matin,
ça doit pas être super agréable de dormir sur une pierre comme ça. Non, tu n'as pas changé, ce n'est pas un rêve, tu es toujours un gobou. Mais pourquoi suis-je un Pokémon? Parce que j'ai téléchargé une ROM et que j'ai lancé le truc. Tu as sommeil, tu viens de te réveiller. C'est genre, est-ce que c'est déjà la fin de ta vie? T'es... Oh, je peux sauvegarder là, ok. Voilà, la sauvegarde a échoué. Quoi? La sauvegarde a échoué? C'est pas grave, s'il faut, je fais un save state. Voilà, boum. C'est jamais facile, les ROM. Waouh, il s'est levé aux aurores. Aurore! Du remake de Diamant Hyper, confirme. Ouais, mais rien ne presse, nous n'avons pas encore reçu de demande. Ben oui, mais en même temps, on est les deux seuls à savoir qu'on existe, donc... Il y a peut-être quelque chose dans la boîte aux lettres. Ah, parce que t'es levé depuis les aurores, t'as pas encore pensé à regarder dans la boîte aux lettres. Ok. Genre, est-ce que je peux changer de partenaire? C'est le kit de secours! Waouh. Le badge de secouriste. Encore une fois, quand t'as pas de pouce, comment tu fais pour le mettre sur toi? Il contient une boîte à outils. Ok, la boîte à outils, c'est genre derrière chez moi, devinez ce qu'il y a. Il y a une boîte aux lettres qui contient un kit de secouriste, qui contient un badge de secouriste, qui contient une boîte à outils. Petite boîte derrière chez moi, bref. Ah, un numéro du journal Pokémon. C'est plein de choses utiles. Le badge, il fait prouve que tu fais partie d'une équipe de secours. Ça vaut pas grand chose puisque tu peux dire ok, on forme une équipe de secours et c'est bon, mais bon, soit. C'est boîte à outils. Elle sert à transporter les objets que nous a donné Mamie, les objets sont utiles, oui, d'accord. Journal Pokémon, il est plein de conseils utiles aux équipes de secours. Je remets le journal Pokémon dans la boîte aux lettres. Tu peux pas le foutre chez toi plutôt que le mettre dans la boîte aux lettres. Mais elle est vide. Moi, tu sais. That you only meant well, of course you did, what you say. Non mais, du coup, ok. Les demandes de sauvegarde, de sauvetage par courrier, est-ce que c'est le même système qu'utilise Peach dans Super Mario Galaxy? Parce qu'elle envoie des lettres aussi, à travers le cosmos, et c'est un béquipan, meurs, pire Pokémon. Ok, c'est pas vrai, mais quand j'étais petit que je jouais à Emerald, c'était le pire Pokémon. Le pire Pokémon, c'est Masco, évidemment. Oui, prends le courrier. Oui, du coup, doucement, je fais juste un grand arc de cercle. Bzz, bzz, Chenipan m'a parlé de vous. S'il vous plaît, aidez-nous. Magnéti a des ennuis. Une étrange vague électromagnétique a jailli d'un donjon. Oui, alors les trucs qui jaillissent, voilà. Et colle ensemble Magnéti et Magnéti. D'accord, non, ok. Ce n'est pas ainsi conforme à Magnéton. Il n'est pas fini tel qu'il est maintenant. On a besoin d'aide. Un ami de Magnéti. Le dessin animé fait, mais si, c'est comme ça, je... On y va, bah oui, allons-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, non, encore une fois, arrêtez avec les sprites de face comme ça. Oh mon dieu, une carte! C'est la grotte éclair! Merde, je suis type O, c'est super efficace. Il faut que j'évolue! je sais, ça n'arrivera pas, c'est la fin du jeu. Vous êtes là, bzzz, mes amis sont dans cette grotte, bzzz, mes amis devraient être à l'étage moins 6. Oh bah oui, bah s'il vous plaît, des lettres, d'accord. Grotte éclair, étage moins 1. Waouh. Battre ennemi avec une capacité vous rapporte plus de points XP. Appliquez un raccourci à la capacité de votre choix. Est-ce que depuis tantôt j'utilise pas charge, j'utilise une attaque standard comme un abruti? Bref. Ouh, c'est quoi ça? Une case miracle. Mes stats restent inchangés, d'accord, ok, si tu veux. Ok. Ouh, 62 poké. Bon, j'ai pas encore eu de magasin, mais je suppose que ça, c'est le truc avec les Kecléon. Quel Pokémon je vais retrouver là-dedans? Parce que s'ils me font éclair, ça va pas, c'est super efficace. Aurais-je pris le mode difficile du jeu? Non, c'est pas possible, Gobu, c'est genre le meilleur Pokémon. Ah! Un Nidoran. Non! Empoisonné! Heureusement que j'ai une BP chat. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser la BP chat? Est-ce que l'empoisonnement il va s'en aller par lui-même? Parce que j'ai pas envie de devoir utiliser une BP chat maintenant, j'en ai qu'une.
Empoisonnement et grave empoisonnement remplit aussi un petit peu l'estomac. Génial. Main en l'air et main en bas. Une baie cerise. Ça guérit la paralysie. Oui, je sais. Une pomme. Ça remplit l'estomac. Ok. 4 PV à cause du poison. Ok, d'accord. Je vais utiliser ma baie chat. Ouais, 4 PV, c'est beaucoup quand même. C'est plus que ce que l'ensemble des dégâts que m'ont fait les roucoules. Le... Une baie orange. Ce serait mieux s'il venait d'Alexandrie. Les stats restent un... D'accord, je sais toujours pas à quoi ça sert. Boum, t'as raté, Nidoran. T'es nul. Oh, ok, donc il y en a 25 maintenant. Désolé les filles, je voulais pas vous énerver. Je suis juste là pour essayer de trouver un magnéti. Et je suis de nouveau empoisonné. Et pourquoi j'ai perdu 12 PV en une quoi? Quelle est cette violence? Non mais si c'est tous Nidoran, je vais utiliser coup de boule, hein. Encore du poison, mais je n'ai plus de quoi le soigner, je pense. Donc, enfin, si je peux utiliser une Béoran pour récupérer des PV. Ah, je regarde tous mes PV. Moi, je m'attendais à en regagner 10, donc ça m'arrange. Ok, d'accord, le poison, il commence à faire à bien faire quand même. D'accord, ça sert à rien par ici. Et la case miracle, t'as pas envie de me soigner, je sais pas à quoi ça sert, mais... Non. Bah oui, je sais que je suis presque mort, mais... Et pourquoi il y a un point d'exclamation? Dites-moi un truc! Au lieu de me faire deviner les choses. Genre, est-ce que je peux sortir? Déjà. Il n'y a rien sur cette case. Autre. Interrompre, abandonner, hein. Objectif, secourir Magnéti. Option. Donjon. Course. Ah, je peux... Pivot dégâts. Gris. Carte. Oui. Voilà. Autre. Fleu, bon, bleu, rouge, vert. Non, bleu, c'est bien. Ah oui, c'est déjà plus agréable pour marcher comme ça. Choisissez un partenaire avec la commande équipe et réglez sa tactique, ses aptitudes tuées pour plus d'efficacité. Oui, cool. Donc il suffisait que je m'en aille et là tout à coup j'étais soigné. D'accord, et t'as pas envie d'y aller, Nuzor, pour voir ce que ça donne? Non, ça change rien. Tu sais quoi? Tiens. Merde, évidemment, elle était pas assez proche. On recommence. Dégage. Voilà. C'est super efficace. Mais... Non mais oh. Une roupie graine. J'essayais de vite, très vite, de retrouver dans ma tête des noms d'objets de Donjou Mystère que j'avais déjà entendu, mais... Lancez une roupie graine à un ennemi pour l'endormir pendant un moment. Si vous la mangez, c'est vous qui dormirez. Génial. Je peux lui balancer une graine à la tronche. Oh non, un ratatatatatatata. Bon, en fait, j'allais dire appuyer sur B et faire charge pour une fois, mais il est déjà mort. Aïe, 10 PV, ça fait beaucoup. Je refuse. Tu t'en vas? Tu t'en vas, t'es sûr? T'es sûr? Tiens, prends-toi une charge en pleine tronche. Non mais il...
Bon, tu sais quoi, allez vous faire voir, moi. Moi, je passe à l'étage suivant, je suis à l'étage moins 3. De l'argent. Appuyez sur plus en maintenant B pour vous déplacer rapidement, R pour vous déplacer en diagonale. Ah oui, d'accord. Voilà pourquoi il y avait des flèches autour de moi. Y est voix. Oh, déjà? Ok. Étage moins 4. Oh non, un Vulture. Ah oui, ce serait con de que je défaillisse. Ce serait con aussi de ne pas utiliser une foutue attaque sol sur un Pokémon électrique, voilà. Génial, tu montes niveau 8. Est-ce que je peux monter niveau 8 aussi? Non, c'est pas... Ce serait sympa. Ce serait sympa. L'explograine. Enflamme l'ennemi en face de vous. Oula. Tournez-vous vers Zorci, puis mangez la graine. Ah oui. D'accord. Ok. Bon, je ne sais pas toujours pas ce qu'une case miracle fait. Une BP Charge. Ah, mais ben merci. C'est cool. C'était genre... Il y a 4 étages que j'en avais besoin de ça. Étage moins 5. Oula, il n'y a qu'une sortie de cette salle. C'est dangereux. Non, ça va. Ah, ben voilà le dernier truc. J'aimerais bien... Aïe. Aïe. Est-ce que je peux appuyer sur B? Est-ce que je peux faire un truc? Merci. Ah ah, c'est ta précision et tu arrives quand même à me tuer. Je te déteste. Il faut... J'appuie sur B et ça prend 20 ans, quoi. Tue-le à ma place, merci. Ouais, chouette, je suis seulement au niveau 7. C'est quoi ça? C'est quoi cette honteuse... discrimination? Différence? Est-ce que c'est juste qu'il est, que Bulbizarre est meilleur? C'est genre, c'est pas possible, Gobu c'est genre le meilleur starter. Vas-y, vas-y, occupe-toi de lui. Je t'encourage de loin. Faudrait peut-être que je regarde quand même si ça va ses PV. 28 sur 37, ça va. Ah, lui il a 37 PV, moi j'en ai 36. Yeah, il a laissé tomber une B cerise, c'est génial. Et ça c'est une B au rang, ok. Je vais lui... Ah oui, je récupère mes PV petit à petit, mais il faut peut-être que je regarde... Ah, j'ai récupéré mes PV petit à petit en tout cas. Il faut peut-être que je regarde estomac 52 sur 100, c'est pas beaucoup. Peut-être que je vais manger quelque chose, comme ça. Pomme. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pomme. Info. Un peu restoma du Pokémon. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas un, c'est, ça soigne pas, quoi. Voilà. Non, j'appuie sur Select à chaque fois. Non, c'est pas Start non plus. Appuie sur B. Appuie sur B. Ok, j'ai tout mon estomac, ça m'a ramené tout. 20 sur 36, c'est pas énorme, mais je vais attendre de descendre. Parce que le prochain étage devrait être le dernier, vu que on m'a dit qu'il était au moins 6. Mais non, pourquoi il a raté? Oh non, il est paralysé en plus. Meurs. Voilà. Ah, il y en a un autre qui arrive. Est-ce que je peux appuyer sur B? Est-ce que je peux faire un truc? Je comprends rien à leur système de combat. Enfin, je comprends rien. Ouais, d'accord. Évidemment, je pouvais pas le faire en face. Je peux pas le regarder. Ça y est, j'ai regardé. J'ai appuyé sur A, ça a marché. Je suis paralysé maintenant. Je suis plus paralysé maintenant. Oh, un Posipi. Je peux t'avoir dans mon équipe, Posipi. Ouais, du coup, un déplacement, ça compte aussi pour... Allez, j'appuie sur B. Il se passe rien. Merci. Ok, ça a vraiment quelque chose faire coup de boost et c'est pour rater après. Hein. 22, 23, 24. Est-ce que c'est parce que je bouge que je récupère mes PV? Ou est-ce que c'est parce que j'ai l'estomac plein? Ou est-ce que c'est parce que la case miracle redevienne normale? Ah! Elles avaient changé? Ah, c'est peut-être ma précision et tout ça. Est-ce que tu peux... Vas-y, dégage. Voilà. Merci.
Mais purée, mais il y en a combien des Pokémon électriques dans ce truc? Vas-y, tu peux le faire. Charge ton énergie. Ah, c'est moi qui me suis... Ah! C'est moi qui me suis fait défoncer à la place, d'accord. Capacité. Non, je veux pas capacité. Je veux me soigner. B-O-R-A-N. Pourquoi je l'ai dit comme ça, je sais pas. Rang B-O-R-A-N. Comment ça je rends B-O-R-A-N? Non, je voulais pas. Je voulais l'utiliser. Pourquoi utiliser, c'est pas le... Mais non, je... J'appuie sur B. Pourquoi il veut pas quand j'appuie sur B? Voilà. Équipe. 37 sur 37. Ok, parfait. Voyons ce qui se passe à l'étage moins 6. Ah. Il y a deux magnétiques qui sont collés. En fait, il n'y avait pas de boss ou un truc ainsi. C'est juste. Nos corps sont séparés, joie. Ouais. Ouais, au moins protégez-vous la prochaine fois. Vous nous avez sauvés. 500 poké, waouh, je suis riche. Une résugraine, ah ah. Ça c'est quand même un rappel, une béfrève pour la brûlure. Est-ce que c'est le Pokémon Feu le prochain donjon? Le sauvetage soit bien passé. Oui, bah j'ai failli crever 3 fois, mais sinon ça s'est bien passé. Au revoir, oui, c'est ça. Oui, je vais sauvegarder mon aventure. Et la sauvegarde a échoué. C'est pas grave. C'est probablement la ROM qui est défectueuse. Je l'ai téléchargé genre deux secondes avant le... Enfin, tu t'attaques à un vrai jeu. Un vrai jeu. Il a gagné des points parce que je suis un gobou, hein. Mais... où suis-je ? Tu es dans un background de Game Boy Advance. Bonjour, je dirais d'ailleurs. Peut-être est-ce un rêve? Qui est-ce? Je n'arrive pas à me rappeler. Waouh, séquence de rêve. Exceptionnelle. Ah oui, ça c'est le problème des rêves, mon vieux. J'ai des Pokémon à sauver. Ouais. Getty serait fier, enfin je crois. Peut-être. Je ferais mieux de regarder dans la boîte aux lettres. Oui, je sais. Arrêtez de me le dire ça à 2 mm de la boîte aux lettres. Il n'y a pas de demande, voilà. L'autre, il va arriver, il va faire « Ma demande !» Si on joue à Smash à la place. Hein, non, il n'y avait rien. Allez, à la poste B qui pend. Ah ah. Oui, est-ce que je peux accéder à un magasin? T'as fait Spyro et Crash Fusion juste avant, je vais rien entendre. Ok, vu comme ça, oui, d'accord. Ok, non, j'accepte. Ah, je savais qu'il y avait des Kecleons. Et un Kecleon mauve qui n'est pas un Kecleon shiny. C'est juste un Kecleon mauve. Ah, un Lombre, un Chétiflore, un Snubbull, un Persian, la Banque Félicité. 4G confirmed. Gloopty. Gloopty peut lier des capacités. Quand les capacités sont liées, tu peux les utiliser en même temps. Ok, mais est-ce que j'ai envie de lier coup de boue parce que c'est sûrement nul comme maintenant. Réserve Kangourex, je peux... D'accord. Ah oui, parce que si je meurs dans un donjon, je perds tous mes objets. Génial. Ça donne tellement envie. Ces commerces sont pratiques. Attends, je les utilise et après je te le dis. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Grosse pomme, oran, pêcha, explograine, résugraine, 800, ah oui, j'ai 774. Tu perds une partie de tes objets, pas la totalité. Ah, bon, ça va. Donne-moi une béron. Il faut des trucs pour que je me soigne, parce que je me fais tabasser. Par contre, l'argent, si, donc c'est important de le stocker. Ah oui. Attends, qu'est-ce qu'il me propose comme autre truc, parce qu'en fait, je lis pas. Vendre tout. Vendre tout. Je vends tout ce que j'ai. Tu peux pas rentrer dans les maisons. Ce n'est pas un vrai jeu Pokémon. Ok, catastrophe naturelle, oui.
Personne ne sent en sécurité. Oh mon dieu, non. C'est un climat. Les républicains vont gagner la prochaine élection présidentielle américaine. C'est un climat de peur. Il y a un feu de forêt. Tortank et Alligator sont venus à bout rapidement. Ah, sympa. Si les secours n'étaient pas arrivés aussi vite, les dégâts auraient été bien pires. Ah oui. La poste d'équipement, c'est tout droit par là. Ok. Tout au bout, impossible de rater. Génial, mais je vais regarder le reste quand même. La banque félicité. Je vais déposer 666. Parce que le diable. Voilà. Et parce que je vais probablement crever dans les 20 minutes qui restent. Donc. Storm Chain Gloopty. Lier les capacités pour un. Ouais, non. Peut-être plus tard, mais. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de le faire maintenant. Réserve Kangourex. Tati Kangourex. Ah. Je vais déposer. Je sais pas parce que voilà, j'ai pas encore à trop. Si je perds des objets, je perds des objets. Hein. Oh, super vitesse. Les capacités sont pas importantes au début du jeu. Ok, ça va. Si tu sais où c'est la poste d'équipement, pourquoi tu m'as laissé demander à Snubul? Des appels au secours de Pokémon sera réalisé ici. Oh non, on a. Livré B Pécha, petit bois E-2. Dis-moi. Recherche B Pécha par nostalgie. Ouh, ça fait très petites annonces. C'est, je suppose que c'est le but, mais c'est marrant. Aidez-moi, j'offre une récompense. 100 Poké plus. Point d'interrogation. Une lettre miracle, je ne sais pas à quoi ça sert, on s'en fout. Alors, j'ai des problèmes. Dans ma plantation. Ce donjon est un vrai labyrinthe. Waouh, au secours. Bah, du coup, j'ai pas envie de te sauver. J'ai pas envie d'aller dans un labyrinthe. De l'aide. Posipi a pris la mauvaise direction. Que quelqu'un m'aide. Il faut que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie. Trouver le remède. C'est trop dur ici. Que quelqu'un me sorte de là. Donc là, il faut que j'aille chercher un Voltorb au moins 5 si je prends cela. Je vais aller livrer une BP chat parce que j'en est-ce que j'en ai? Oui, oui, je sais, je veux regarder mon inventaire pour savoir si j'ai une BP chat. Oui, oui, non, mais j'en... Laisse-moi regarder si j'ai une BP chat. Je vais la prendre, ta mission, la con. Voilà, je l'ai prise. Boum. Et puis la mission. Ah. Tu vois, j'accepte la mission. Waouh. J'ai aucune idée d'où est le petit bois, mais parce qu'on m'a téléporté jusque-là. Jusqu'à ce point-là du jeu, mais c'est pas grave. Étant Barbicha, c'est pas par là. Prairie, marais, où est le petit bois? Et il est peut-être dans la prairie. Ok, c'est magique. C'était pas ça. Tu vas t'en manger des dialogues, eh ouais. Je suis dans les marais là. Regarde, t'as vu le magnifique nom de mon équipe? Nous sommes la base de l'équipe Kappa. Petit bois, allez par ici. Let's go! Au moins deux, une BP chat. Donc je suppose que si j'appuie sur B, est-ce que je peux voir mes missions? Moins deux, apporter BP chat. Ouais. Il te faut leur zone de recrutement. Ah, d'accord. Une mission peut être remplie à cet étage, ok. Bonjour. Waouh, j'ai trouvé Nidoran. Oui, tiens, prends Nidoran. Quitte le donjon. Ok, mais... bah oui, je vais rentrer.
Mais oui, j'ai fait ma, je veux juste ma récompense maintenant. Yeah. Une chose à la fois. 100 poké. Yeah. Résugraine. 100 points de sauvetage. Génial. Restons-en là et nous nous reposer. Allez hop. On fait un petit sauvetage de 5 minutes et puis on y va. Et la sauvegarde a échoué. Alors, du courrier. Mais qui a donc besoin de sauvetage? Disparition petit bois. Oh, encore. Sauvegarde, oui, je sais. Je n'arrive pas à sauvegarder sur cette ROM, c'est pas grave. Allez, mission, petit bois. Je veux. Nidoran ne sait pas nager, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ok. Client chenipote, objectif trouvé. Ok. J'accepte la mission. Et maintenant, il faut vous mettre le thème de mission possible. Bon, pendant que tu es en train de... J'ai juste besoin de sauver un Nidoran. J'ai pas besoin de commencer à taper des chenipotes, hein. C'est... Bon, par contre, l'argent par terre, oui. Ok, d'accord. Là, tu l'auras voulu. Tiens. Voilà. Ok, mais Nidoran. Nidoran. Je peux pas te. Qu'est-ce que tu fais, Nidoran? Dégage. Voilà. Je peux pas juste lui parler? Je veux te parler, Nidoran. Le chenipote s'est fait défoncer. C'est genre, il est arrivé, un écran, il est resté là 2 frames et puis il était mort. Yeah, plus 3, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Les personnages de Fire Emblem rêveraient de telle montée de niveau. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Nidoran? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, toi dégage. Ah ben voilà! Oh, génial! Elle obtient un pouvoir mystérieux. Oui, je veux vraiment rentrer. Pourquoi tu veux me faire rester ici? Laisse-moi accomplir ma mission. Ouais! Voici la récompense, 200 poké, 5 points de sauvetage. Yeah! Restons-en là et ne l'aurons pas posé, ouais. Classique. Non, je ne veux pas sauvegarder mon aventure, ça sert à rien, ça marche pas. Et le petit point d'eau à gauche, il ressemble à une lune. C'était la partie observation complètement banale. Et maintenant que j'ai des gens... Tu as parlé dans le chat. Je peux faire ça. Encore ce rêve. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est? Une touche pour viser. Ah! Une secousse, ça empire. Non, il y a un vrai tremblement de terre, c'est ça? Non, le lendemain matin, non, le dormi, on s'en fout. Ok. Oui. Oui, mais qui me courrousse? Ah bah oui, forcément, mais... Oui, Trio Picker. Top Picker. Trio. On ne pourra jamais aller plus haut. Tina Arena est tellement...
Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je foute comme armure? J'ai charge et coup de boue. Je vais demander à un user de le vampigraine à mort. Hein. Non, mais demande plutôt un salamèche, non? Tu n'as pas le choix. Mais non, non, laisse-le creux. Genre, si le topiqueur il reste dans la terre, qu'est-ce qu'il craint? Triopiqueur peut être n'importe où. Il a été emmené vers le sommet du mont Acier. D'accord, mais pourquoi nous? Pauvre petite équipe avec un nom d'emote Discord et 10 points de sauvetage. Il est où le mont Acier? Est-ce qu'il est par là? Il est par là. Allez, je suis prêt à me faire déchirer la tronche. Ah, cette fois-ci, il va falloir monter. Le pic est à l'étage 9. Mais pourtant, j'ai déjà vu un trio picker utiliser Vol dans Battle Revolution, donc il pourrait faire un effort. Hein. Ah, un zigzaton. Je devrais pas avoir peur d'un foutu zigzaton, mais je vais me frotter au premier mur du jeu. Est-ce que ce sera aussi le premier rare mur? Donc c'était pas voulu la blague. Oui, alors c'est peut-être aussi parce que je viens de me prendre 16 PV dans la tronche et que j'appuie sur B et qu'il faut 20 ans pour que ça fasse quoi que ce soit. Est-ce que tu vas crever? Oui, bien. Yeah, j'ai mon niveau 8 et maintenant je vais revenir en arrière pour que je puisse laisser d'autres personnes que moi gérer ce. J'avais cru que c'était Tornade à un moment, je me suis dit mais qu'est-ce qu'un Balbuto fou avec Tornade, mais... Allez, ok, je reviens. Aïe. 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 Voilà. J'ai plus aïe. Il utilise armure ce salaud. Je peux même pas lui faire coup bas parce que je suppose qu'il a lévitation. Hop, voilà. Une baie cerise. Waouh, impressionnant. Donnez-moi une baie citrus s'il vous plaît. Oui, rugissement, c'est ça. Fais rugissement parce que je... Ah non, on mimique eux, mais ça sert à rien du coup. Je vais te faire coup de boue comme ça. Ta précision baisse. Tu vas me faire moins de dégâts. Tu vas... Rater tes attaques, j'espère. Ah, j'ai appuyé sur A. Chaque fois, j'appuie sur A pour faire défiler le texte, et en fait, je finis par faire une auto-attaque. Non, Galekid, non, dégage. Laisse-moi... Déjà, je vais remettre mes stats normales. Voilà. Hop. Il faut que je me remette droit, voilà. Et maintenant, tu vas te prendre coup de boue, ça va faire mal. Voilà. Encore un Galekid, génial. Il faut que je me tourne. Il a fait armure. Voilà. Ah oui, là j'ai un truc super efficace, donc forcément. Piafabek ramasse Béoran, bah, très bien pour lui. Ah oui, j'allais dire, mais non, ça va pas, je dois descendre, pas monter, mais si, là, je dois monter. Dans ce truc-là, c'est monter qu'il faut faire. Ow ! Quelle indignité. Voilà. Bon, là, je vais pas lui faire coup de boue. Je vais lui faire charge. Voilà. Est-ce qu'il y a une boucle de plus longue que 10 secondes dans cette musique? Tu peux utiliser coup de boue dans les coins. C'est-à-dire? Je veux genre en diagonale? Certaines attaques peuvent toucher dans le coin des couloirs. Ah d'accord! Ok. Bon, là, ça sert à rien de faire coup de boue.
Ils se mettent tous en ligne, ils attendent leur bastonnade. Vampigraine. Ouais. En fait, j'aurais préféré être un bulle bizarre. Moi, je veux pouvoir me soigner. Non, mais pourquoi j'ai raté? Aïe, j'ai mal. Est-ce que je peux avoir les bénéfices de Vampigraine, s'il vous plaît? Je vais devoir me soigner si le menu a envie d'arriver. Hop, voilà. C'est super lent, je sais pas pourquoi. Il faut genre 20 secondes, non. Genre au moins 5 secondes pour que je puisse appuyer sur B et ouvrir le menu. Et là voilà, j'ai appuyé tellement de fois sur B que je l'ai fermé directement sans faire exprès. Allez, ouvre le menu. Ben non, il a pas envie d'ouvrir le menu apparemment. Ok, mais tu sais quoi, je me casse hein. Ah ouais, là t'ouvres le menu tout court. Tout de suite hein. Non, dégage. Ok, bon. Là, tout va bien. On va récupérer sa vie en marchant. Ouais. Une Béoran. Cool. Et Hans. Oh, t'y as cru, Galekid. Meurs. Ces Galekid sont d'une telle indignité. Ils arrivent, ils me font perdre 13 PV comme ça, là, d'un coup. Non, je refuse. Je ne suis pas d'accord. Donc maintenant, moi, je vais faire des pas en boucle et je vais récupérer mes PV si ça vous dérange pas. Apparemment, si, ça vous dérange. Vas-y, prends le relais. Protège-moi. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais pas me mettre là. Je voulais me tourner vers lui, mais c'est pas grave. Ouais, je suis monté d'un niveau. Zigzaton ramasse 82 poké. Cool. Cool sa vie. Ouh, un débugant. Ouh, je me fais défoncer. Chouette. C'est genre, je peux pas passer mon tour. Menu. Le menu, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord, je fais coup de boue. J'abandonne. Je fais mon attaque. Enfin, je suppose que c'est moins puissant, coup de boue, mais. En fait, j'en sais rien, mais. Bon, si je reste là, je peux récupérer mes PV. Non, on vient quand même m'emmerder. Ta-da-da-da. Je veux récupérer mes PV et. Bon, là, l'avantage, c'est que les Galekid, je peux les défoncer en un coup. Yeah, niveau 10, Fuelian. Wouh. Bien. C'est bien, une attaque plante. Ça va être très utile contre Hermure, mais bon. Qu'est-ce qui se passe si je mets plusieurs capacités en favori? Je ne peux pas. Ok, d'accord. Je vais récupérer mes PV, s'il vous plaît. Tum, tum. Voilà. T'es mort!
Pardon. Oh, armure. Oh, c'est mignon. Ah, t'es quand même mort. Et il est 20h, mais je vais quand même essayer de finir ce donjon. Je ne vais pas arrêter en plein milieu. Je sens de toute façon que ce sera une comment dire, un échec retentissant. Voilà. Et il y a un caillou. Gravel Rush. Vous pouvez lancer une Gravel Rush sur les ennemis éloignés. Équipez-vous d'un objet puis appuyez sur L et R. Ok. Aïe, pourquoi il fait tant de dégâts? Bon. Et ça c'est quoi? Un pétrifiorb. Je suppose que ça pétrifie les ennemis. Allez menu, c'est quand tu veux. Wow, mais 10 PV, mais c'est énorme comme... Hop, tu t'es attaqué au mauvais gars. Chut, il dort. Ah, un médicat. Yoga, ok, d'accord. Raté, 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 moins 15. J'avance. Mon acier. Oh, d'accord. Non, mais je spawn juste à côté d'un ennemi, là. C'est... Non, mais n'attaque pas pendant qu'il fait patience, abruti. Genre, passe ton tour, lance une Pokéball, oh wait. Et c'est moi qui me suis tout pris dans la tronche, évidemment. Excuse-moi, mais je vais garder mes... Je vais récupérer mes PV, hein, puisqu'il remonte tout seul. C'est... Allez, menu. Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi il veut pas m'ouvrir le menu? Voilà, là il est ouvert, mais il est refermé direct. Voilà. Estomac 61, ça va encore, je suppose. Tu peux cocher ou non les attaques que tu veux que l'IA utilise. Ah, je vais quand le menu voudra bien revenir, je vais lui arrêter de lui faire charge alors. Mais rugissement, Vampigraine jusqu'à présent, c'était pas mal d'avoir les trois, mais là autant qu'il utilise Swellian au lieu de charge quoi. Vas-y! Hop! Voilà. Non, c'est pas là que je devais appeler. Équipe. Hein. Tactique. Non, c'est pas dans tactique, c'est dans capacité. Hop! Voilà, désélectionner charge. Les trois autres, je vais laisser. Rugissement, ça peut être utile. Oh, il n'est pas mort en un coup de boue. La capacité ne peut plus... Quoi? J'ai plus de PP? Par contre, je vais faire un truc. Voilà. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Genre pour qu'on évite que j'évite de me prendre que j'évite de me prendre toutes les attaques. T'as foué Lian, je sais pas si t'es au courant. Oui, bravo. Vas-y, fais-lui foué Lian. Moi je me casse. Voilà. Démerde-toi. Oh non, mais Scarabrut.
Mais oui, mais Scarabrut, il va faire super mal. Oui, Vampigraine, c'est bien. Mais sauf que ça va pas me soigner moi. Il gagne tous ses PV, c'est génial. N'attends pas ce que l'IA joue pour toi, joue autour de l'IA. Ok. Voilà. Et du coup, les PP, ça se récupère comment? Il faut absolument des élixirs, ça se remet pas tout seul. Max élixir, ouais. J'appuie sur B là. Bah, je fais ça pour. Il va jouer à ma place hein, parce que j'arrive pas à appuyer sur B apparemment donc. Tous les autres boutons ça marche mais B ça marche pas. Bon allez, où est cet étage? Enfin le il y a un... ouais, je pense que c'est la ROM qui non parce que là je regarde, je reste appuyé sur B et je m'arrête parfois en plein milieu du chemin. Je sais pas si c'est normal. Ou c'est peut-être ouais, ou alors c'est ma manette qui déconne mais enfin j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent avec le bouton B, je pense donc Mais oui, non, mais la ROM, j'ai voulu utiliser ROM Session pour la voir et m'a dit qu'il y avait une file d'attente de 104 personnes pour un jeu GBA, quoi. Donc j'ai fait OK, d'accord. Les courses rapides stop quand t'as un contact avec quelque chose. OK, logique. Topicker est là-bas. Ah oui, merde. mais comment il s'est retrouvé là? Ah bah c'est Hermure qui l'a pris et qui l'a... Porter secours à Topicker. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est à cause de sa famille, donc tu vas kidnapper le gosse. C'est genre très très bien, très très bonne motivation. Bah oui, mais on va te défoncer, si tu veux. Nous allons devoir nous battre. T'as intérêt à faire Vampigraine, tour 1. Parce que je peux pas faire coup de boue, moi. Je suis complètement inutile dans ce truc. Je sais pas pourquoi je me suis déplacé là sans faire exprès, c'est pas grave. Oui, Vampigraine, bien. Non, je veux me tourner, voilà. Si t'as des Explograines, go. Ah, Explograines. Je fais lancer, c'est ça? Boum! Ce n'est pas très efficace ici. Oh, bon, et c'est pas grave, 15 PV, c'est quand même déjà pas mal. Et la pique-pique, magnifique! Manger, ah oui, c'est vrai que le truc m'a dit manger et ça le lance sur l'ennemi. Eh ben écoute, dès que le menu revient, je fais ça. Ah, ça y est, il était là, j'ai réappuyé sur B sans faire exprès. Je vais ouvrir une autre ROM après pour voir si c'est pas moi qui... Si c'est pas ma manette qui bug, parce que ce serait un peu chiant que ma manette Switch Pro ait un problème avec le bouton B, hein. Attends, je vais essayer un truc tout con. Je vais changer le bouton B dans mes inputs de l'émulateur. Hop, voilà. Ouais, ok, non, mauvaise idée. Voilà. Non, ça marche quand même pas. Enfin, c'est pas aussi... Donc c'est pas le bouton B en général lui-même qui fait. C'est peut-être la ROM qui est juste complètement débile, d'accord. Au moins, c'est, je préfère que ce soit la ROM qui déconne que ma manette.
Même si des roms qui déconnent, j'en fais encore des cauchemars parfois. Hein, remember Minish Cap, c'est tout ce que je dirais. Donc, vas-y B. Non. Voilà, ok. Alors, Explograine. Manger. Ah. Ah oui, là il a perdu 30 PV quand même, c'est mieux. Il est déjà infecté par Vampigraine, espèce d'abruti. Oh bah d'accord, ok, d'accord, ok. Bon bah en fait c'était pas si compliqué. Je m'en vais mais je reviendrai. I'll be back. Nous allons venir jusqu'à toi. Oui, envoie. T'as des lianes. Regarde ce précipice. Ah, c'est là que tombé Chenipan. Comment nous allons faire? Ah ah, les magnétis. On va secourir Topicker par voie aérienne. On ne fera pas l'erreur de t'électrocuter. Le type sol, on s'en fout. Génial. J'avais le vertige. Mes pieds pédalaient encore dans le vide. Il a des pieds! Révélation, le lore a été changé. C'est Triopicker qui va sortir de terre. Ouais, voilà. Triopicker. Le Triopicker qui est au pluriel tout le temps, c'est marrant. Nos formes évoluées sont toutes les deux des trios soudés. Après tout, nos formes évoluées sont tous les deux des manques d'inspiration de la part des designers de la première génération. Tu n'as jamais fait la version JBA. Ah oui, t'as fait équipe de secours bleu du coup. Allez, c'est. Ne partez pas. Si, si, partez. Génial. Un gobou, un Bulbizarre et deux Magnéti. Équipe de secours Kapapa. Une zone adaptée à nos besoins. Ça a quoi comme besoin, Magnéti? Allons sur la place Pokémon demain. Oui, demain, c'est ça, demain. Comme dirait Chris Tarrant. Demain! Gros doudou, c'est gros doudou, la guilde de gros doudou, ou alors c'est un autre gros doudou. Oui, je veux sauvegarder mon aventure. Oh, ça a échoué. Voilà. Je m'y attendais. Et bien voilà, ça fait un peu plus d'une heure, mais comme ça j'ai fini le truc. Pour cette découverte, je ne suis pas mort. Enfin si, je suis mort, mais j'ai une résugraine. Alors, donc, bon, c'est un peu dommage d'avoir un tel truc de la ROM avec le bouton B, ou j'espère que c'est la ROM et pas l'émulateur. Oh, un garde-voix. Et ouais, voilà. C'était le plus loin que je n'ai jamais été dans un jeu donjon mystère. Donc voilà. Gobu, c'est cool. Voilà à peu près ma conclusion. Je ne saurais pas vous en dire plus. Oui, des rêves étranges. Qu'est-ce qu'ils ont d'étrange? On sait rien si on se souvient pas de rêve. Bref. Que veux-tu faire? Je veux finir mon stream, si ça ne te dérange pas. Bon, on s'en fout. Donc, voilà, c'est la fin de ce petit stream découverte. Fin de semaine, quand les 4 jeux ont été faits, je dévoilerai celui ou ceux que je déciderai de faire complètement en live. Et comme ça, j'ai quand même un petit peu vu ce que donnait le tout premier Donjon Mystère, même si je suis sûr que j'ai pas été loin du tout. Donc, et Hermure s'est fait défoncer par Vampigraine. Vive Hermure. J'ai kiffé, je suis un fan de la première. J'adore. J'adore autant que... Mega Man 3, voilà. Mais du coup, merci à tous d'avoir regardé, que ce soit en stream ou en potentielle rediffusion. Et on se retrouve, dans mon point de vue, demain pour le
découvrir Mario Kart Super Circuit. Au revoir.